Eh bien, salut tout le monde, c'est Redbone. Et aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un coin manga. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui de Super Dragon Ball Heroes, plus précisément de l'épisode 18. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, Vegeta et Sangoku avaient fusionné du coup pour donner Gogeta, car Earth était ultra puissant. Alors là, qu'est-ce qui se passe de beau dans cet épisode? Tout simplement, combat entre Earth et Gogeta. Donc, j'ai l'impression que Earth est légèrement, voire un peu plus fort que Broly, parce que déjà, il arrive à tenir tête à Gogeta, même si Gogeta lui renvoie quelques attaques. Bon, il tient toujours debout, alors que Broly, il avait un peu de mal face à Gogeta. Bon, après, voilà, c'était la comparaison que je suis faite en regardant du coup cet épisode. Alors du coup, après, Earth utilise une sorte de pouvoir divin, donc il dit qu'il peut battre Zeno. Bon, ça m'étonne beaucoup, mais il utilise une sorte de pouvoir divin pour faire apparaître une météorite, et ça m'a fait beaucoup penser à du coup Madara qui dans Dragon Ball, dans n'importe quoi, dans Naruto Shippuden, faisait apparaître des sortes de météorites. Donc voilà, ça me fait beaucoup penser à sur les choses, et on n'en sait pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé de beau dans cet épisode 19? Du coup, Goku et Vegeta ont fusionné pour donner Gogeta, et ont mis toutes leurs forces pour tenter de détruire la sorte de météorite qui arrivait. Malheureusement, ils n'ont pas trop réussi. Ils se sont fait détruire deux par Jiren et Hit. Bon, finalement, ils réussissent. Alors, il y a un truc que je trouve un peu décevant, c'est que je m'attendais, que Gogeta passe en Ultra Instinct. Parce qu'il me semble que j'avais entendu quelque part que dès que deux personnes fusionnaient, en fait, cette personne, une seule personne, et elle avait toutes les capacités avec lesquelles les deux autres personnes ont fusionné pour donner cette personne. En gros, Goku et Vegeta se fusionnent, et étant donné que Goku possède l'ultra instinct, normalement Gogeta Gogeta est censé avoir l'ultra instinct. Donc ça, je sais pas si ça me tournait qu'il utilise, parce que normalement, par déduction, Gogeta devrait avoir depuis longtemps le Super Saiyajin 3, pardon, et ne pas rester au Super Saiyajin 2 pendant par exemple le combat contre Janemba. Mais bref, donc ils combattent Earth, et finalement ils gagnent contre Earth en détruisant du coup la sorte de gemme de pouvoir. Il disparaît en tas de cendres, style claquage de doigts de Thanos. Mais juste avant de mourir, en fait, il voulait tout simplement tuer Zeno, parce qu'en fait, par pur caprice, il détruisait des galaxies, enfin des univers. Et lui, en fait, il voulait tout simplement libérer ceux qui habitaient dans ces univers, libérer ce poids qui était Zeno, en fait, pour lui, parce que tout simplement il pouvait tuer au moindre claquage de doigts, un peu à la manière de Thanos, encore une fois. Bref, donc malheureusement il perd, il disparaît dans un tas de cendres, et une mélodie dramatique, oh il est mort. Bon, bref, voilà, c'est pas mon personnage préféré, parce que c'est pas non plus le personnage vraiment très bien bossé. Mais là où je suis assez content, souvenez-vous, c'était le mec avec une sorte de katana qui avait libéré Kamba, qui d'ailleurs on ne sait pas où il est, Kamba on ne sait pas où il est, je crois que c'était, c'était Freezer, enfin bref, je crois qu'il y avait un Freezer, Metal Freezer Golden, je crois, si pas de conneries, ou couleur, bref, non, couleur, Metal Couleur Golden, et on ne sait pas où est-ce qui était passé. Donc peut-être qu'on aura quelque chose à suivre, je sais pas, qu'on les reverra. Bref, et pourquoi fut parce que tout simplement il dit vous êtes prêt à passer à la suite de l'expérience. C'est vrai que pour une sorte de série Dragon Ball, en attendant Dragon Ball Super, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épisodes, je trouve. 19 épisodes, c'est pas assez. Une cinquantaine à la limite, ça aurait été suffisant. Donc je pense qu'en fait, peut-être pas de suite, mais je pense qu'on aura une suite à Super Dragon Ball Heroes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette petite vidéo sur Super Dragon Ball Heroes, épisode 18 et 19. C'était Redbone, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.